everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Content de te retrouver sur ce nouveau décor. C'est enfin à la fin de l'année 2023. Je dis enfin parce que j'ai une année 2023 de ouf. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'était juste différent. Voilà. En tout cas, j'espère que ma petite Get Ready With Me va vous inspirer. J'espère aussi que cette coiffure simple à reproduire soi-même va t'inspirer. C'est simple et c'est classique. Voilà, je traficote mes babies. Hein. Je pense que vous avez vu ça. Mais le plus important, c'est que ça donne quelque chose, quoi. Voilà. Je suis pas à 100% ce que je voulais, mais bon, bah voilà, c'est le plus important. En tout cas, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles, comme quoi. On peut pas tout avoir. Voilà, en tout cas, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Pour commencer, je voudrais vous faire appel à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à aimer pas la vidéo si ça vous convient. Voilà, je viens de faire donc mon shampoing de la semaine. J'ai fait aussi mon bain de crème, c'est-à-dire j'ai mis mon après-shampoing et mon conditionneur que j'ai rincé. Mes cheveux sont semi-humides et séché ça à l'air libre. Je n'ai pas mis de pommade, je n'ai pas mis de crème. Directement, je mets mon Eco Styler. Toutes les références de produits sont en barre d'infos. Vraiment, dresse bien mes cheveux lorsqu'ils sont un peu mouillés, lorsqu'ils sont humides. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Étant donné que le postiche que je vais mettre, c'est un postiche où les boucles sont assez ondulées, sont vraiment très serrées, j'espère avoir quand même des baby hairs et que mon chignon soit plat mais pas trop sur la tête. Donc c'est pour cela que c'est pas un plaqué vraiment très lisse, n'est pas exagéré là-dessus. Ce genre de coiffure simple et rapide à faire, je dis vraiment rapide parce que ça prend un grand maximum 10 minutes lorsqu'on est lent. Mais voilà, 5 minutes, tout dépend aussi du plaqué que vous souhaitez. C'est un plaqué où je n'ai pas mis de ruban satin ou quelque chose pour serrer pour que ça aplatisse mes cheveux. Que c'est aussi possible lorsqu'on a des cheveux crépus. Juste après le shampoing, donc juste après la douche, c'est possible de faire un chignon directement. Ce qui est mon cas ici, j'ai pas eu à remouiller mes cheveux. Ce genre de coiffure-là, c'est le genre de coiffure fait d'une manière occasionnelle. C'est une coiffure classique lorsque j'ai une sortie ou lorsque c'est un rendez-vous ou quelque chose d'assez classique. C'est aussi chouette pour des occasions de promenade en été, voilà, un peu moins en hiver parce que je me promène moins en hiver. J'aime bien garder mes oreilles chaudes. Mais c'est une coiffure qui est intemporelle et donc voilà. Bon, je ne suis pas encore une experte dans les baby hair, mais j'aime bien les faire, même si c'est pas toujours impeccable. Je n'ai pas encore essayé de faire des baby hair où je mets beaucoup de cheveux et essayer de faire tout ce qui est vibes et tout ça. J'aimerais bien essayer, c'est pas trop mon truc, mais il faut essayer, hein, il faut toujours essayer. Mes baby hair sont vraiment faits là avec le Eco Styler. Tout simplement, ça ne le rend pas l'effet gras parce que je vais maquiller après. Donc, je fais en sorte de ne pas mettre trop de gel non plus pour que ça donne aussi un look assez glamour. À
Alors, pour mon postiche, je l'ai acheté sur Shein. Et oui, Shein font des beaux postiches. D'ailleurs, je me suis dit, c'est le premier postiche que je voulais tester sur Shein. Très bonne qualité, c'est synthétique évidemment. Moi, je n'ai pas voulu avoir un postiche bouffant. J'ai voulu garder comme ça parce qu'il faut savoir qu'avec ce genre de postiche-là, on peut vraiment séparer les sections, on peut séparer vraiment les mèches pour que ça soit un peu plus volumineux. Tout dépend vraiment de votre goût à vous avec le postiche. Moi, j'ai gardé ça comme ça pour le moment. Il se peut que par la suite, je vais un peu les bourriffer pour obtenir un peu plus de volume. Mais pour ce style-là, c'est exactement ce que je voulais pour que ça puisse suivre. Vraiment que ça donne un effet naturel, un effet trompe-l'œil avec mes cheveux naturels. N'oublie pas à aimer la vidéo pour m'encourager, bien sûr, à t'abonner si c'est toujours pas fait, à la famille de Gracia Manucure. Moi, je te retrouve déjà sur la prochaine vidéo. J'espère faire un peu plus de vidéos maintenant en fin d'année. Je ne sais pas combien encore. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël si tu regardes ça avant Noël, et aussi une merveilleuse année 2024. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, vraiment le meilleur pour 2024. Et je vous retrouve donc sur la prochaine vidéo. Bisous.